Salut les gens, petit test liquide, on est toujours sur la gamme extra pure, on s'attaque à un liquide un petit peu particulier qui est le yaourt framboise. Yaourt framboise, la fiole je peux pas la faire, je me base toujours sur la même fiole que j'ai, je suis un petit peu malade, hein, je suis désolé. La même fiole donc que j'ai, excusez-moi, qui est la fiole mandarine. Dessus on va retrouver toutes les informations d'usage, les précautions et les informations nécessaires, à savoir l'adresse de production, la composition, on est sur des liquides 70-30, les pictogrammes, tête de mort, recyclage, la femme enceinte, etc., moins 18 et autres. On a un bouchon sécurité enfant, on a un pictogramme pour les malvoyants sur le dessus du bouchon, et on a une pipette qui est relativement fine. Bref, les fioles sont parfaites, il n'y a pas grand chose à en dire. On est sur une fiole souple. Donc là, on est sur du 10 mg, 10 mg. Leurs liquides sont en 0, 5, 10 et 16. Qu'est-ce qu'on nous en dit du yaourt framboise? On nous en dit cette saveur gourmande a des notes fruitées et lactées, rappelant les yaourts à la framboise de notre enfance. On est sur donc un Protank 3, on a une résistance à 2,1 et on est à 4,4 volts. C'est parti. On est sur une belle vapeur. Là, on est vraiment sur une vapeur 70-30 bien correcte. Le hit, il est vraiment très 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 léger. C'est un hit bas de gorge, enfin le fat gorge, mais qui est vraiment très léger. Pour du 10, je pense qu'on est un petit peu en dessous. Au niveau des saveurs, on ressent, dès qu'on aspire, on ressent de la crème, quelque chose de crémeux. Mais c'est tout de suite quoi, c'est instantané. Vous aurez remarqué que j'ai fait toutes les autres vidéos le même jour, qu'on en est à la sixième. C'est marrant en fait, toutes les saveurs en fait, dès le départ ça claque dès le départ. C'est à dire que si vous avez un liquide un petit peu acide, vous allez sentir l'acidité dès le départ. Liquide amer, vous aurez l'amertume dès le départ. Là, c'est crémeux, on le sent dès le début. À l'inspiration, on a ça. On sent également une pointe de trucs sucrés et qu'on va ressentir par la suite, qui va être la framboise. C'est au moment où on va recracher la vapeur, où là on va avoir le goût de la framboise qui va venir. Qui est pas trop sucré, qui est juste ce qu'il faut. C'est un très bon liquide. J'aime beaucoup ce liquide là. C'est pour ça que je vais lui mettre 4. Parce que... Ce que j'aime dans un liquide, c'est quand il y a des successions comme ça de saveurs. Je suis pas trop monoliquide. J'aime qu'il y ait des trucs qui viennent. Alors c'est complètement con parce que quand je vape en réalité, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que voilà, je vais vaper comme ça et je vais pas penser à ce que je suis en train de vaper. Il n'y a que quand je vais m'arrêter et que je vais essayer d'analyser ce que je ressens que je vais sentir ces goûts-là. Sinon, je les sens pas, je suis comme vous. Mais j'aime ça. J'aime pouvoir m'arrêter par moment sur un liquide que je suis en train de vaper et ressentir tout ça.
Donc voilà, c'est du 4 pour moi, ça n'engage que moi. C'est un très bon liquide qui laisse en plus un bon goût en bouche. Si vous avez l'occasion de tester les liquides extra purs, allez-y, faites-le. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, vous. Ça ne peut qu'aider. En règle générale, quand on m'envoie des liquides, les fabricants regardent les vidéos que je fais. Ils regardent surtout les vues, mais ils regardent aussi les commentaires, et je pense que voilà, c'est bien de participer pour pouvoir donner votre avis et qu'ils puissent avoir des retours en fait des utilisateurs. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, et que derrière ils puissent améliorer peut-être un petit peu les trucs s'il y a des choses qui déplaisent. Pour moi, c'est un bon liquide et ça vaut bien le 4. Voilà, en attendant, nous on se retrouve bientôt. Donc à bientôt. Ciao.